pouvez commencer par se présenter. Je m'appelle Kanjole Sebra. Je suis né dans la zone Rutongo, commune de Muhuta, province qu'on appelait à l'époque province Bujumbura Rural, mais on appelait Bujumbura parce que ce n'est rien écrit nulle part, c'est la province de Bujumbura. Alors maintenant, nous sommes la commune de Muhuta et la commune de Bugarama ont été annexées à la province de Rumonge. Maintenant, nous faisons partie de la province de Rumonge. Vous êtes natif de la commune Muhuta, dans la région Imbo, une région qui a été l'épicentre des événements de 1972. Quels souvenirs avez-vous gardé de cette période? Vous aviez quel âge en 1972? Je commençais l'école secondaire après concours national. J'ai été affecté à l'école secondaire à 6e moderne. 6e moderne, ça veut dire après le passage du concours national, ça nous donnait à être affecté à l'école secondaire. Alors j'étais petit à l'école secondaire 6e moderne. Sauf 29 avril, il y avait 2 mois avant, je faisais partie du mouvement scout, du mouvement catholique scout de Saint-Joseph. Alors, nos supérieurs des écoles supérieures, des écoles terminales, on nous disait, qui étaient membres de ce mouvement scout, nous disaient les mois de février, mars, que nous allons faire en fin de camp à Rumonge. Et on était vraiment très contents. Et ce jour, samedi du 29 avril 1972, on a quitté les écoles à midi en courant au dortoir pour nous changer, pour s'habiller en uniforme scout, les fanions, etc. etc. En ce moment même, il y avait un gros camion Nissan avec carrosserie en planche en bois qui était là-bas. Et puis, quand nous avons quitté notre dortoir, on s'est rangé à côté de ce camion pour entrer dans le camion. Heureusement, ces supérieurs-là qui nous dirigeaient sont dirigés vers l'internat, vers le directeur de l'internat. Qui sont ces supérieurs? C'était des élèves de la 3e et 4e normale. De la même ethnie? De la même ethnie, des Hutus. Alors, ils sont allés demander de la provision pour ces 4 jours que nous devons passer à Rumonge. Alors, le directeur de l'internat a complètement refusé. Il a dit non, je ne peux pas vous donner quelque chose que ce soit. Je ne sais pas ce que vous allez faire à Rumonge. Et il a dit qu'il a de la réglementation qui doit suivre. Et ces gens-là sont disparus avec le camion. Le camion a disparu, les hommes ont disparu. Et nous étions vraiment très mécontents. Qu'est-ce qui vous montre que cette descente vers Rumonge, c'était un plan pour vous liquider? C'était un plan pour nous liquider parce que ça tombait exactement le même jour, le 29 avril. Et ces gens-là qui nous organisaient, après que le directeur de l'internat refuse de donner la provision, sont tous partis. Et ils sont revenus 4 jours après, avec leurs yeux qui étaient tout rouges. On dirait qu'ils sont participés au massacre des militaires qui rentraient, qui étaient sortis et rentraient vers leur caserne à côté, au niveau du cathédral, là où on appelle communément le monument des soldats inconnus. Et chez vous, à Muhuta, quelle est l'atmosphère qui régnait à cette époque? Chez nous, nous avons la première année, deuxième année de l'école primaire. Après la deuxième année, on se rendait à Mutumba, parce que Mutumba, c'était la paroisse qui avait comme succursale Rutongo. Il y avait une école de protestants anglicans à Rugombero, mais nous ne pouvons pas entrer dans cette école parce qu'on disait que ces protestants-là qui avaient comme on dit à Kirundi. Alors, quand on descendait là-bas à Mutumba, nos parents nous demandaient
au retour qui pour nous héberger, pour nous donner à boire, à manger. Et je me souviens un jour, celui que nous habitions était rentré sous et il disait Mwamva Zabatouti, Mouzou Suyamou Minchiri. Alors, j'ai pris peur et le samedi prochain, je suis allé voir mon père, je suis monté chez moi et j'ai dit à papa, papa, je ne retourne pas à Mutumba parce qu'ils m'ont dit que nous sommes des Tutsis, Mwamva Zabatouti. Je ne sais pas comment traduire en français. Ils nous ont dit que nous allons retourner en Égypte. Mumishiri, c'est comment ils disent le Kirundi, Mumishiri. Alors ils disaient que nous allons retourner Mumishiri. Alors j'ai dit à papa, moi je ne retourne pas à Mutumba parce qu'on m'a dit que nous allons retourner, nous les Tutsis, nous allons retourner en Égypte. Alors j'ai dit à papa, et je ne connais pas ce Mumishiri là-bas. Et je ne peux pas y retourner. Papa a dit non, espèce, allez étudier. Ce qui montrait qu'il y avait un courant, quelque chose qui montrait qu'il y avait une préparation au génocide, qui date de longtemps. À partir du 29 avril 1972, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre commune natale, surtout à Mutumba? À Mutumba, c'était vraiment curieux. Je vous dis que cette préparation date de longtemps parce que je dis que à Mutumba, à l'école primaire de Mutumba, la direction de l'école demandait à tous les élèves, je ne peux pas dire étudiants, à tous les élèves du premier au sixième qu'ils doivent absolument amener les outils aratoires, machettes, serpes, houes, toutes choses contondantes. Alors on a obligé à ce que tous les élèves, tous les enfants amènent ces outils aratoires. Alors ils ont amené, on a stocké ça à l'école primaire de Mutumba. C'est ces outils-là, c'est ces machettes là-bas, c'est ces houes, c'est ces serpettes, c'est tous ces objets contondants qu'on a pris pour massacrer les Tutsis de Migera, de Kabezi, de Muta, de Bugarama, de quoi, tout. Sauf dimanche très tôt le matin. Et il y avait le lendemain du 29 avril, c'était dimanche, il y avait un certain enseignant, Nabazane Stanislas, qui avait une camionnette avec un mégaphone et parlait à haute voix. Il était de quelle ethnie? Il était de l'ethnie Hutu, originaire de Kabezi. L'enfant de Kiraryana à Kabezi, parce que je pense que les gens de Kabezi le connaissent. Alors, c'est lui qui scandait que faut tuer tout aussi parce que même Michombero est mort et qu'on doit libérer le pays en tuant tous les Tutsis. Et je vous ai dit qu'il y a un virus-là qui est venu du Rwanda, les événements de 59. Ce virus-là se transmet de père en fils jusqu'aujourd'hui. Même maintenant, quand vous allez regarder, voir, interroger les Hutus du Burundi, les extrémistes des Hutus, ils disent que nous ne pouvons pas construire un pays tant que les Tutsis sont encore là. Même aujourd'hui, à ce moment où je vous parle. À cette époque de 72, vous vous souvenez de combien de victimes de l'ethnie Tutsi dans votre entourage, surtout dans les communes littorales qui rongent le bord du lac Tanganyika? Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. On nous a dit que le brigade de Donyanzara, qui était à peu près des sections, trois sections, c'est pas moi, une trentaine de personnes, tous les Tutsis ont été massacrés par le commandant. Il a divisé, il a mis les Tutsis là-bas, les Hutus là-bas, et il a liquidé tous les Tutsis. Ça, c'était le premier cas. Deuxième phase, donc ils sont partis à gauche, à droite, Nyanzarak, Vianda, Rumonge, et jusqu'à l'entrée du camp de Bururi et Tunguru, ils ont tué tout ce qui se trouve sur leur chemin, qui s'appelle Tutsi. Les femmes enceintes, ils éventraient les femmes enceintes. Et l'hécatombe qui c'est au moment où
le ministre Yanda et Shibura venaient pacifier à Rumonge. Il y avait une grande réunion et ils avaient encore la radio reportage que la France venait de donner. C'était à une voiture flambant neuve qui pouvait émettre à partir de n'importe où. Et cette voiture-là a été brûlée. Les journalistes qui étaient dedans ont été massacrés. Alors, tous les fonctionnaires qui se trouvaient à cette place, Rumonge, ont été encerclés et ont été tués tous, sauf quelques rescapés. Et Yanda ont pris la route vers Buyengero. Ils ont pris la fuite et puis ils sont partis. Et ils ont eu la chance d'être tués. Chez vous, à Mutumba et aux alentours? Aux alentours, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a la famille Mbaïgé, il y a la famille Nyankiye, il y a Bandere Mbako, c'était un enseignant qui enseignait à Mutumba. Il y a Songoré qui était dans l'administration communale. Il y a Amuhuta, ça c'est Gitunda. Il y a Amuhuta, Ndibagirigwa, Nyarunwa, Kadoweye. Ce sont des gens que je connais qui sont morts, qui sont massacrés. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de morts à Kabezi. Tous de l'ethnie Tutsi. Il y a la famille Yozome que je viens de vous dire. Yozome avait ses petits frères Sylvestre Ndikumana et un autre qui s'appelait Vénéra. Sylvestre Ndikumana était enseignant à Massama. Tenez bien, ils étaient enseignants à Massama. Le samedi soir, il a invité son collègue Bafoumou Kiyeko de Massama pour partager un verre, vin de banane chez lui, chez Sylvestre. Ils ont passé la nuit ensemble vers 11h et puis Bafoumou Kiyeko est parti. Il est rentré. Le lendemain, très tôt le matin, il a amené une corde de tueurs habillés des herbes sur la tête. Ils avaient des couleurs à gauche, à droite. Alors, ils sont venus et ce sont eux qui ont pris Sylvestre Ndikumana, sa femme et deux petites filles qui habitaient là-bas, tous Tutsi. Ils les ont amenés sur la RN3, là où Stanislas Ndabazanye se trouvait avec une camionnette, avec un mégaphone. Il a scandé haut et fort que tout Tutsi, il faut le tuer. Il a dit, et c'était son collègue. Sylvestre était enseignant à Massama, Stanislas enseignait à Mutumba. Alors il a donné l'ordre de tuer son collègue Sylvestre qui est Tutsi. Il disait que même Michombero est mort, il faut tuer tous les Tutsi pour nous libérer, nous les Hutus, pour nous libérer. C'est ça. Les auteurs de ces crimes, les assaillants, étaient des Burundais ou des étrangers, comme disent certains? Ils étaient des Burundais. En grande majorité, c'était des Burundais. C'était des Burundais qui sont entraînés dans la forêt. Je vous avais dit que même Museveni l'a dit l'autre jour où il a écrit à Nkurunziza qu'il y avait un certain Bacha, il y avait beaucoup, vous le connaissez, ils sont écrits quelque part, je les ai vus ce matin dans les groupes. Ils étaient ensemble dans la forêt, entraîner leur groupe. Et Museveni faisait la même chose pour l'Ouganda. Alors, les a empêchés. Il dit, monsieur Mbacha, c'est pas moi. Il ne faut pas tuer les innocents, il ne faut pas tuer les Tutsi. Il faut combattre les militaires, il faut combattre le pouvoir. Pas tuer tout ce qui passe. Alors, mais il n'a pas respecté. Ils ont tous tué, ils ont balayé. Et à l'étoile, ils les jetaient dans des latrines, ils les jetaient n'importe où. Ils ont tué tout ce qui passe, ils ont tué les femmes enceintes, ils ont tué les vieilles, ils ont tué les enfants. Ils les tuaient comment? En utilisant que... Ils utilisaient les outils là-bas que je vous disais qu'on a récoltés pendant le mois de février, au mois de mars, qui se trouvaient dans des différentes écoles. La population a pris ces outils pour tuer. C'est tout. Est-ce qu'un milieu scolaire, tout au long de votre parcours, avant 1972, vous aviez remarqué une certaine haine ethnique entre
des élèves? Ça ne se voyait pas parce qu'on était vraiment très occupés. Le matin, on se levait très tôt, le matin à 5 heures, on se lavait. Le matin, on va à l'étude le matin. Et puis vers 7h30, on déjeunait. Et puis on entrait à l'école jusqu'à midi. Midi, on allait à table pour manger. 14h, on retourne. 16h, on quitte les écoles. Et puis vers 18h, on prenait le repas du soir. Après 19h, on retourne à l'école pour les études du soir. Et puis à 10h, on rentrait à l'internat. Et à l'entrée à l'internat, vous ne pouvez pas dire aucun mot. Donc c'est pour dire qu'on ne pouvait pas connaître ce que les gens pensaient, ce que les étudiants pensaient. Ça, je les ai vus quand le procès de 1971, le procès de Nkomo Lanyi, où le procès se passait à la radio nationale, et puis on écoutait les plaidoyers. Ce que j'ai entendu pour le fameux homme, Léonard Ndoyo, qui disait en français, c'est ce que j'ai pris par cœur. Il a dit, leur réquisitoire est plein de points d'interrogation. Et c'est à ce moment-là que le président Tshombero a gracié ces gens-là qui ont fomenté le coup d'État. C'était un coup d'État fomenté parce que visait la division des Tutsis, ceux de Murambya et ceux de Bururi, pour que les événements de 72 se passent sans aucun problème, sans aucun entrave. À cette époque-là, c'est quand même, il y avait vraiment cet échange entre les étudiants, les élèves, ceux de Bururi et ceux de Murambya et tout le reste du Burundi. On était pour tuer tous les gens de Bururi si on pouvait tuer ces gens-là, les gens qui étaient ensemble avec Nkomo Lanyi. Oui. C'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment une haine, qu'il y avait des mouvements. Il y avait un risque que les élèves de Bururi se fassent tuer. On se pouvait sauter dedans à n'importe quel moment. Si Tshombero n'avait pas gracié ces gens-là qui voulaient faire le coup d'État. Et en 1972, il y avait ce climat marxien était toujours là. 72, après 72, le climat marxien a commencé après les événements de 72. Après 72, il y avait vraiment, on ne savait pas où pouvait mourir, si vous sortez, si vous allez dans des quartiers, si vous allez n'importe où, on ne sait pas où on pouvait être tué. Oui. Vous pensez que c'est... Quelle est la genèse de ce conflit interethnique au Burundi? La genèse du conflit date de longtemps. C'est vers... Vous savez que le Burundi et le Rwanda étaient sous tutelle belge. Et le Congo était le Congo à part entière parce que les explorateurs Livingstone et Stanley avaient donné comme cadeau le roi Léopold II. Alors, les Belges ont commencé... vers les années 1935, chasser tous les administrateurs hutus sous prétexte qu'ils ne savent pas gouverner et ils les ont remplacés par des Tutsis. Alors, c'est là où ça a commencé un problème de mécontentement, un problème malsain, où ce problème de mécontentement se transmettait de père en fils jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le virus de la révolution rwandaise. Ça veut dire la révolution rwandaise. La Belgique a planifié ça. Ils ont chassé premièrement les Hutus et les a remplacés par les Tutsis. Et au moment du mouvement des indépendances africaines, les dirigeants, Wagasore,
le roi du Rwanda s'appelait à l'époque s'appelait Rudahigwa. Rudahigwa, alors El Gasore voulait l'indépendance immédiate. Et la Belgique ne voulait pas, il disait ces gens-là, ils ont la tendance communiste, ils veulent changer le volonté du Rwanda vers le communisme, vers la Russie, vers la Chine, tout ça. Alors ils ont essayé de chasser ces gens-là. Et en 1959, Kayibanda, avec l'aide de la Belgique, ont massacré tous les Tutsis du Rwanda. Et ils ont chassé ceux qui ne sont pas massacrés. Ils ont pris le large, ils ont fui vers les quatre points cardinaux, le sud au Burundi, l'ouest au Congo, le nord Ouganda, l'est de la Tanzanie. Alors, c'est en ce moment-là que certaines personnes Hutu du Burundi sont allées étudier à Kigali comment faire la révolution rwandaise au Burundi. C'est là où je vous dis que c'est ce moment-là que le virus est né. Et c'est un virus qui, je vous ai dit, qui se transmettait de père en fils. Je vous ai dit, même aujourd'hui, les gens du Burundi, les extrémistes, disent que le Burundi ne peut pas être gouverné, ne peut pas être se développer tant que les Tutsis sont encore là. Alors c'est pourquoi, dans leur tête, il faut massacrer à tout prix les Tutsis. Vous savez maintenant qu'il y a eu des disparitions jusqu'à aujourd'hui. Le président Ndayishimiye dit que la paix est totale au Burundi, mais vous êtes au courant qu'il y a eu des disparitions, surtout les ex-FAB, les Tutsis. Vous savez que même ceux qui venaient d'être libérés par la classe présidentielle sont en train d'être arrêtés, sont en train d'être enlevés, sont en train d'être massacrés. Vous êtes au courant de ça. C'est là où je vous dis que la genèse du conflit date des années d'avant l'indépendance par la Belgique et les extrémistes et autres. Et quelle est la solution pour sortir de ce cycle de violence au Burundi? Je ne dis pas ça pour mettre de l'huile à la braise. Je dis ça pour que les Burundais se mettent ensemble pour construire leur pays. Pour que les Burundis se mettent ensemble, tout aussi, toi, confondu, pour créer un environnement viable. Un environnement viable où il y a la sécurité, où il y a la tranquillité, où il y a un développement. Tant que ces problèmes, tant que les gens ne parlent pas la vérité, tant que ces gens-là continuent à mentir comme ils respirent, le Burundi ne peut pas se développer. Nous resterons dans la même, nous continuerons à nous embourber. Il faut à tout prix que les dirigeants créent un climat sain, un climat de confiance, un climat de sécurité pour que le Burundi se développe. Justement, c'est ce que vous évoquez, dire la vérité, cette recherche de la vérité, que c'est dans cette optique que la CVR, en partenariat avec le Sénat du Burundi, a organisé une série de conférences où ils invitent les Burundais. Et souvent, ces derniers jours, le conférencier, l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, et dans les différentes conférences, il affirme qu'il y a eu un génocide des Hutus en 1972 perpétré par le pouvoir d'alors, le pouvoir de Micombero, et qu'il ajoute aussi qu'il n'y a pas eu de rébellion Hutu en 1972 au Burundi, que c'était un montage pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui est Hutu, surtout les Hutus intellectuels et les Hutus influents dans la société. Et vous êtes dans la province, vous êtes natif des provinces de la plaine, vous êtes de la plaine de Limbo,
une partie du pays qui a été beaucoup touchée par cette crise de 1972. Est-ce que vous êtes de même avis que l'ancien président Ntibantunganya sur ce, qu'il n'y a pas eu de rébellion Hutu en 1972 au Burundi? Et je venais de vous dire que le mensonge ne peut pas construire un pays. Et c'est vraiment très étonnant qu'un président de la République parle de la sorte. C'est dommage qu'un ancien président de la République parle des choses de la sorte. Ntibantunganya est animé de ce virus que je vous dis, ce virus qui prend l'origine au Rwanda en 1959. Alors, le président Ntibantunganya est animé de ce virus comme le Covid-19. Ce n'est pas normal qu'un président de la République parle des choses pareilles, parce qu'il sait, il connaît très bien ce qui s'est passé. Il connaît très bien qu'il y a eu une rébellion qui est entrée par le sud à Nyanzarak et qui a parcouru tout le pays Antioa, tout ce qu'on appelle Tutsi. Il le sait très bien. Il était quand même petit, mais il sait qu'il y a eu une rébellion. Et je vous ai dit que le président Museveni a dit qu'il y avait, quand il était encore à la rébellion dans la forêt, je ne sais pas, en Tanzanie, ils étaient avec des Burundais qui se préparaient pour entrer, pour libérer le pays. Alors, il a dit que M. Mpacha et les autres, là, qu'ils étaient ensemble, vous les connaissez, ils sont décrits. Même ce matin, je l'ai vu dans les mass médias, WhatsApp, que ces gens-là, le président Museveni les a empêchés de tuer la population. Il les a dit de libérer le pays en se battant contre l'armée, contre le pouvoir. Mais ils n'ont pas pris ça. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont commencé à tuer tout ce qui se passe, qui s'appelle Tutsi. Ntibantunganya ne nie pas l'existence de la rébellion, mais...